une convention de partenariat pour la mise en place d'un laboratoire digital destiné aux différentes composantes du secteur de l'éducation a été signée ce vendredi à Rabat. Cette convention vise à améliorer la qualité de l'apprentissage et le rendement des établissements d'enseignement. À l'occasion de la signature de cette convention, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, a affirmé que la mise en place de ce laboratoire est un précédent dans l'histoire de l'administration publique au Maroc, étant le premier du genre dans une institution gouvernementale, précisant que la nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique Maroc Digital 2030, pilotée par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Écoutons les deux ministres, Chakib Ben Moussa et Rita Mezzour. Cette rencontre consiste en la signature d'une convention de partenariat pour la mise en place d'un laboratoire digital en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et la Caisse de dépôt et de gestion. La CDG. L'objectif est de trouver les solutions appropriées pour améliorer la qualité de l'apprentissage au sein des différents organismes de l'éducation nationale. Il s'agit également de faciliter les processus de suivi pour les enseignants dans les classes et renforcer les processus d'enseignement pour les élèves en leur insufflant des compétences digitales essentielles. Sans oublier le domaine de la gouvernance, car à travers ces compétences digitales, nous parviendrons à atteindre les objectifs du secteur. Nous avons signé aujourd'hui une convention de partenariat très importante avec le ministère de l'Éducation nationale et la Caisse de dépôt et de gestion. L'objectif est de travailler conjointement avec de jeunes entreprises marocaines pour développer des solutions digitales innovantes afin de renforcer et améliorer le secteur de l'enseignement. Par exemple, employer des solutions issues de l'intelligence artificielle afin de suivre l'enseignant dans sa méthodologie pour qu'il puisse transmettre aux élèves les compétences nécessaires. L'objectif est également de cibler de nouveaux marchés et de créer de nouvelles opportunités aux jeunes entreprises pour qu'elles puissent se développer et s'ouvrir à des marchés internationaux.